gotta go big or go home. We're down to the gold. Never been a better time to put it all on the line. Arrivé ce week-end au Haras de Belletière, c'est un cadre magnifique. Ok, oui. En Normandie, donc c'est très très arboré, très ombragé. On a un temps normand en ce moment même. Voilà, on voit, il pleut. Mais c'est un lieu vraiment apaisant et ouais. Magnifique. Il y a beaucoup d'arbres, le son de la rivière, c'est hyper apaisant. Le processus, on l'a respecté hier, à l'arrivée des chevaux. En fait, quand un cheval arrive, la première chose, c'est déjà de le mettre au box, de le laisser récupérer de son voyage. Et ensuite, tout de suite, de faire un petit travail de connexion, de mise en confiance et de connexion. Parce que là, on y colle après, quand elle met la force, ouais. Comme tous les chevaux, il ne faut pas chercher l'épreuve de force. Comme... Allez, marchez. Oh, voilà, ça, c'est bien. Alors, ne pas hésiter à bien récompenser une fois qu'on a obtenu ce qu'on a voulu. Ne jamais mésestimer le pouvoir de la voix. Oui. Donc la voix et l'intonation de la voix. Non, oh, oui, c'est bien. D'accord, hein, donc il faut que quand vous êtes content, que le cheval sente, il faut qu'il sente. Quand vous n'êtes pas content, il faut qu'il le sache aussi. Bah alors on a commencé déjà à voir si le cheval il était bien connecté à nous, donc c'est-à-dire des petits exercices de il s'arrête, il recule, il avance quand on lui demande et il prend pas le dessus sur nous à avancer sans qu'on lui demande. Oh, très bien. Donc on valide le travail de connexion quand vous avez même pas besoin de la sollicitation qu'à la voix. Recule, 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 recule. Oh. Donc voilà, donc il faut, c'est le seul moment où il faut que vous arriviez à la reconnecter. Pour que quand vous avez besoin, elle soit connectée avec vous. Ouais. Et non pas connectée avec le cheval qui est à et puis qui vous embête. C'est ça. Recule. Recule. C'est vraiment le seul schéma recule. Où elle est comme recule. Ça. Recule. Recule. Oh. Et comme disait Thierry, ces 5 minutes-là, ça va nous économiser peut-être une heure à galérer parce qu'on n'a pas fait ce travail avant. Alors, soyez précis. Oui. Marchez, arrêtez, reculez. Alors, on valide le travail quand marcher. Oh. Voilà. Et on joue. Oh. Très bien. Marchez. Allez. Une fois que ça est bien fait, ça veut dire que votre cheval est connecté, qu'il est en attente de vos demandes et que vous pouvez passer à l'étape suivante. Oh. Très bien. Donc on travaille le cheval gentiment. Alors ce travail de connexion et de mise en confiance peut prendre quelques minutes pour des chevaux très faciles, très sereins, et peut prendre quelques heures pour des chevaux un petit peu plus sensibles et un petit peu plus délicats. Donc on les travaille dans le box. Une fois que le cheval a été travaillé dans le box, on le sort, on travaille dans la cour, de manière à vérifier que la connexion est vraiment bien faite entre la personne qui va le gérer et le cheval. Et ensuite, on le rentre dans le centre. On les gère quand on les faisant céder à la traction, en les faisant venir à soi. D'où l'importance vous voyez, il y a une cohérence dans le travail. On l'a préparé déjà dans le box, avec le travail que l'on a fait de connexion et de mise en confiance. Allez, donc là, pareil, vous y allez tranquillement. La bascule est au fond à droite, là-bas, et on va la peser. Il y a un truc qui est très bien chez vous, qui est assez rare, même chez les cavaliers de haut niveau ou les entraîneurs de haut niveau, c'est que vous n'avez pas une tension. Le gros défaut qu'ont les gens, en règle générale, c'est qu'ils ont une tension constante, vous voyez. Ouais, ils sont là.
sur la longe. Et dès que vous mettez une tension sur la longe, elle prend appui et puis elle commence à bouger dans tous les sens. Et vous, vous n'avez pas ce défaut-là. C'est rare. Bravo. Bravo, c'est très bien. C'est... Allez, recule. Vous voyez, on sollicite à peine maintenant. Recule, recule, recule. Oh. Dans le centre, la première chose que l'on va faire, on va aller vérifier que tout ce qu'on a travaillé préalablement fonctionne et on va aller le peser. C'est très important, c'est d'avoir son poids d'entrée. Parce qu'en fonction des chevaux, on a quelquefois des objectifs ou de perte de poids ou des objectifs de gain de poids quand c'est des chevaux qui sont en préparation physique, en réathlétisation, etc. etc. Ou la perte de poids, c'est des chevaux un petit peu obèses ou des chevaux qui ont été longtemps immobilisés, qui ont besoin de perdre un petit peu de poids, de retrouver une ligne d'athlète. Ok. Allez. Donc c'est important, tout travail complet. Combien ? 567. Ouais, pas mal. J'aurais dit 650, moi. Ah non. Allez, on va le peser. Prenez votre temps. Hein. Voilà. Alors, vous prenez Paris, là. Elle pèse combien, alors ? Elle pèse combien ? Oui, c'est très bien. Voilà, prenez votre temps, c'est très bien. Donc, on est sur une jument qui n'a pas du tout le même tempérament, hein ? Voilà, et grosse caresse. Alors ? 605. J'avais un peu raison. C'est très bien. Tu penses qu'il va nous faire faire quoi là aujourd'hui ? Je sais pas du tout. Hier, il parlait des rivières, mais je sais pas. Donc, je pense que les juments, elles vont kiffer. Il a parlé de bob dans l'eau aussi, j'ai pas tout compris. Ça va dans l'eau, nous, ça va être trop cool. Ils l'air là pour le coup. Vive leur best life. Elles vont être refaites. On donne le premier pavé à 10h. Nous, on nourrit en 4 fois. Et donc, on a commencé, première séance qu'on a fait, c'est les amener dans la rivière. Et ensuite, deux équipements extérieurs qui sont importants aussi pour nous, qui sont la rivière, les stalles en rivière, en eau vive, hein, qui sont en aval d'un barrage, ce qui fait qu'on installe les chevaux dans des stalles avec un petit filet de foin, et puis on ouvre le barrage de manière à libérer l'eau pour avoir suffisamment de courant et de hauteur d'eau pour leur apporter du bien-être et notamment un travail très intéressant sur les tissus pour resserrer les tissus. Quand vous la rentrez dans la salle, vous la rentrez bien droite, après vous tournez, oui. Puis de mettre des hanches. Exactement, le même principe de travail que l'on a fait ce soir, hier soir. Vous voyez, il y a toujours après, cette cohérence du travail. Voilà. Voilà, vous prenez le temps, laissez-la regarder. C'est bien Marion, je vous confirme ce que je vous disais hier, votre jument est bien éduqué. Allez, confiance. Ça les calme énormément, regardez. Mouillé aussi, tu sais. C'est tout mouillé. Je crois que la mienne, elle commence à s'endormir. Là. Ah ouais, elles sont trop trop bien. Hein. Je pense que tu peux les laisser des heures ici. Ouais.
Et donc là, les juments sont restées une bonne demi-heure. Ok, oui. Bonne demi-heure dans l'eau, elles étaient très apaisées. Ce qu'ils disaient, avec le bruit de l'eau, c'est très calme. On a vu qu'elles n'ont pas... Elles se sont totalement relâchées suite au mouvement de la rivière. Donc c'était assez impressionnant. Elles n'ont pas du tout bougé. Et après, quand on les a ressorties, on a vu que les tendons, tout ça, toutes les pattes étaient... C'était sec, vraiment incroyable. Comme dirait Thierry, des tendons de poulain. Donc hier après-midi, on est revenu, on a commencé à utiliser le tapis sec, ce qui a aussi un tapis immergé. Donc le tapis sec, grâce au code qu'on avait instauré la veille, ça s'est bien passé pour les amener, etc. On va faire ce qu'on appelle le parcours d'initiation, c'est-à-dire qu'on va proposer, on va ouvrir tous les équipements, savoir le tapis, le spa, le tapis aquatique, et on va promener les chevaux dans le centre jusqu'à ce que le cheval ait bien compris là où il était et pourquoi il était. En fait, il va être un petit peu tendu. Et puis à un moment donné, il va comprendre qu'il n'est ni sur un terrain de concours, ni à l'hippodrome. Donc il va s'intéresser à ce qu'on va lui demander. Et là, il va nous dire qu'il est prêt à être démarré dans une des machines. Et là, on va le démarrer dans une des machines avec une technique bien précise, hein, toujours à trois, une personne devant pour le rassurer, une personne derrière pour le décoller de la barre, et puis une personne à l'ordinateur pour générer, régler la machine, la vitesse, etc., etc., etc. Donc voilà, donc on peut, et ensuite on les travaille alternativement dans le tapis classique ou à pente variable, dans le tapis immergé, dans le spa, ou dans les différents solariums. Il faut être bien, il faut être sûr de son fait, etc., etc. Donc, personne devant, y compris je suis devant. Si ça bouge un petit peu, on rassure, oh, c'est rien, hein, on se sauve pas. Et oh, ah, ok. Vous la ressortez du tapis, vous la passez dans la douche, vous repassez à la bascule, vous faites ça deux ou trois fois pour bien qu'elle comprenne là où on est. Là encore, plus elle va avoir un sentiment de liberté, plus elle va être calme et plus elle va sortir doucement. Voilà, dès qu'elle vous donne, n'hésitez pas à la caresser, récompensez. Hein, vous connaissez l'adage, hein? Demandez peu, demandez souvent, récompensez beaucoup. Voilà, 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 voilà. On peut voir plein de choses, par exemple si le dos fonctionne bien, s'il n'y a pas de douleur au niveau des lombaires, du garrot, que les bipèdes sont bien symétriques. Donc c'était hyper intéressant, que le bassin est au même niveau, hyper intéressant, ouais. Pour déceler des petites douleurs, des gènes, ou par exemple traiter une boiterie, ou tout. C'était très intéressant. Thierry est très intéressant, il a pris le temps sur tous les exercices, ouais. De bien nous expliquer à quoi ça servait, où il fallait se placer pour voir quelle chose. C'était vraiment très très intéressant. Moi, Bleu, elle est beaucoup plus émotive que Féerie. Donc le tapis, elle a été un peu émotive là-dessus, elle a été un peu perturbée. Mais Thierry est tellement calme, on voit qu'il fait ça depuis des années et qu'il a l'habitude. On a mangé des sushis. Oui. Beaucoup. Beaucoup de sushis. Beaucoup trop de sushis. Beaucoup trop. Ouais, on a passé vraiment un super week-end. C'était détente pour les chevaux, mais c'était aussi un peu détente pour nous. Ouais. On n'est pas monté à cheval.
Ça fait du bien à nos courbatures. Mes voilà, courbatures. On a pu se reposer, on a fait plein de choses. On a été un petit peu se promener, on a joué au bowling. On a vu quoi. Je peux confirmer que c'est toujours pas pour moi. voilà, c'était, on n'a pas été très fort au bowling. Moi j'ai fait un strike quand même, je tiens à le dire. Ouais, moi aussi, j'avais fait. Un strike. On repart de ce bowling avec au moins un strike en poche. Bah, je crois que je suis pas droitière. Matin, du coup, on a eu le choix entre le tapis immergé, donc c'est le même principe que le tapis sec mais avec de l'eau, ou la rivière, et on a décidé, comme on était venu dans un moment de détente, de privilégier la rivière, parce que c'était vraiment un moment où les juments étaient décontractés, relâchés, et que le tapis immergé, ça allait peut-être les solliciter un peu plus, et on voulait vraiment qu'elles profitent de ce séjour pour prendre du bon temps elles aussi, quoi. Comme il nous a dit, c'est très complémentaire le tapis sec et le tapis immergé. Sur le tapis sec, on va beaucoup faire travailler le dos et l'arrière-main du cheval, alors que sur le tapis immergé, du fait de la force de l'eau, on va beaucoup travailler sur les épaules, ouais. Sur le dos aussi, les abdos. Voilà. Ouais. C'est beaucoup, donc c'est très complémentaire, mais c'est vrai que ça sollicite pas mal les muscles des chevaux. Et nous, c'était dans le but plutôt de les relâcher et vacances pour bien préparer la semaine prochaine.